Voilà, donc sachez que demain, vendredi, nous sommes à Bruxelles, comme d'habitude, à partir de 18h30, 19h, pour notre réunion de réveil. Et puis ce dimanche, donc ce samedi, nous sommes à Évry. Et ce dimanche, nous sommes à Rotterdam. Donc je crois que l'adresse est déjà sur le site de TV Devise. Je ne sais pas, Yann, on ne peut pas avoir un slide sur le programme de Rotterdam, hein, parce que c'est ce dimanche, pour que les frères et sœurs soient bien, n'est-ce pas, renseignés. Voilà, donc nous allons vous partager pendant quelques minutes les cas sur les caractéristiques de l'église de Satan sur terre. Satan a aussi son église, n'est-ce pas? Et Christ a son église, Satan aussi a son église, comme vous le savez, et ses ministères. Donc, comment faire pour reconnaître une vraie église? Comment faire pour différencier la vraie église de la fausse? N'est-ce pas? C'est simple, nous allons vous donner, d'après ce que la parole nous dit, hein, donc quelques clés, hein, quelques détails qui vont vous permettre de pouvoir facilement et, voilà, discerner. Différencier tout ça et la vraie église de la fausse. Alors nous sommes dans Matthieu chapitre 7. C'est un passage que beaucoup connaissent. Matthieu 7, donc le message du maître sur le mont des Oliviers. Et verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre, tout bon arbre, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà, il est question de reconnaître, de différencier la vraie église de la fausse. Et nous allons nous servir de cette parole, de ce passage, comme la base de notre message de ce soir. Donc le thème de ce soir, c'est les caractéristiques de l'église de Satan. Satan existe, Satan a son église, Satan a ses ministres, Satan a ses prophétesses, ses prophètes, Satan a ses ministres. Donc la parole le dit clairement, allons voir cela dans 2 Corinthiens, un autre passage que vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Si vous êtes lecteur de la parole, lecteur de la Bible, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11. Et nous lisons à partir du verset, n'est-ce pas, 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Leurs œuvres. Donc nous apprenons ici que Satan a des faux apôtres. Des apôtres, donc qui sont bien sûr faux apôtres. D'accord? Donc écoutez bien l'enseignement. Cette parole, cette vidéo, vous pouvez également la diffuser massivement afin d'éclairer les frères et sœurs, les enfants de Dieu, d'éclairer vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis qui sont dans ces églises, mes amis, où Satan règne. Donc Satan a une église. Nous avons vu que c'est par leurs fruits que l'on peut facilement les reconnaître. Donc on nous reconnaît aussi, nous les enfants de Dieu, au travers de par nos fruits. Voilà, donc nous sommes dans Apocalypse. D'accord? Donc on apprend que Satan a des ouvriers trompeurs qui se déguisent. Et on va revenir sur Matthieu 7 tout à l'heure. Nous sommes dans Apocalypse et chapitre 2, versets 12 à 15. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même aussi toi, aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi. Et je le combattrai avec l'épée de ma bouche,
que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, on apprend ici, et mes amis, dans le chapitre 2, au verset 12, que c'est celui qui a l'épée à double tranchant, n'est-ce pas, hein, l'épée aiguë à deux tranchants, et qui parle. Et qui est celui qui a l'épée à double tranchant? Eh bien, c'est Yeshua, le Messie. Et à la fin de cette lettre, on apprend que, on nous dit que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit. Donc on comprend que et l'Esprit et Christ, c'est la même personne. Hein? Donc c'est Dieu lui-même. Yeshua est Dieu. Donc Christ qui parle, c'est l'Esprit qui parle. Donc on apprend quand même ici que il y avait une église de Satan à Pergame. On apprend que Satan avait son royaume dans cette église-là. Satan avait son royaume. Donc si on parle du trône de Satan, où il y avait dans à l'endroit où il y avait cette assemblée, donc Pergame notamment. Donc on ne peut pas parler du trône sans parler du royaume. Et on ne peut pas parler du royaume de Satan sans parler des principes, des lois, hein, également des ministres de ce royaume. Donc vous voyez, donc ici on peut voir, n'est-ce pas, que au travers de ce mot-là, le mot trône ici, nous avons le royaume, nous avons, comment dire, les lois de ce royaume, n'est-ce pas? Et nous avons aussi la puissance de ce royaume, parce que tout royaume a une autorité. Tout royaume a des lois, a un pouvoir. Donc, dans cette église-là, c'était la puissance de Satan qui opérait. C'est l'église de Pergame. Et on apprend que les vrais enfants de Dieu y étaient persécutés, rejetés. Et il y a même eu des martyrs dans cette église-là. Pergame. Vous voyez? Et voilà, ici, dans la parole, nous apprenons qu'il y avait, mes amis, des églises qui étaient dirigées par le diable. Et qu'est-ce qu'on apprend également dans 2 Thessaloniciens chapitre 2? Nous ne sommes pas encore rentrés dans les caractéristiques, de l'église de Satan. Nous voulons d'abord vous montrer que les Écritures nous parlent de l'église de Satan. D'accord? Et nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1er, un autre passage que vous connaissez. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Yeshua, le Messie, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venue de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez? Donc on apprend que Satan va s'asseoir dans le temple de Dieu, mes amis, c'est-à-dire les églises d'aujourd'hui, et il va se proclamer lui-même Dieu. Il va se faire adorer. C'est ça son désir, ça on le sait. Donc Satan a des églises. On a vu que l'église de Pergame, mes amis, avait en son sein, n'est-ce pas, le trône de Satan, les lois de Satan, le pouvoir de Satan, au point de persécuter les vrais enfants de Dieu. Et ensuite, on apprend ici que, dans Thessaloniciens, que Satan, mes amis, va s'asseoir dans le temple de Dieu, et c'est déjà le cas, et il va se proclamer Dieu. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, il nous dit ceci, frères et sœurs, 2 Corinthiens chapitre 4, nous lisons à partir du verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Voilà, on apprend que Satan est le Dieu de ce siècle, n'est-ce pas? Donc, étant donné que Dieu, que la Bible le présente comme un Dieu, eh bien, il est adoré, il a des adorateurs, il a aussi ses églises, vous voyez? Et c'est pour cela, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11 là-bas, que Satan a aussi ses ouvriers, ses apôtres. Il singe Dieu. Dieu a des apôtres, Satan aussi a des apôtres. Dieu a des prophètes, Satan aussi a des prophètes, ça vous le savez. Dieu a une église, Satan aussi a son église. D'accord? Voilà, donc, et ça a toujours été comme ça depuis, mes amis, le commencement. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de l'église de Satan? Comment différencier facilement, mes amis, le vrai du faux? Comment faire pour avoir le bon discernement? Le discernement pour ne pas se faire avoir, pour ne pas se faire happer
par, mes amis, l'église de Satan qui de plus en plus fait du racolage, de plus en plus fait du recrutement, de plus en plus, mes amis, monte au créneau pour pouvoir, mes amis, gagner les âmes pour les attirer dans le trou, c'est-à-dire en enfer. Comment faire pour protéger nos enfants, protéger nos familles, pour ne pas que nos enfants soient les victimes de ces faux ouvriers qui servent, bien évidemment, le diable, qui sont au service du malin, qui ont vendu leur âme, qui ne vont plus, mes amis, revenir au Seigneur, qui sont perdus d'avance. Ces hommes-là dont il est question dans 2 Pierre, chapitre 2, ils sont nés pour être pris et détruits. Ces hommes, mes amis, qui dirigent les assemblées, qui gèrent les églises, comment faire pour reconnaître les vrais apôtres? Comment faire pour reconnaître les vrais pasteurs? Ouvrez grandement les oreilles. Nous allons nous servir de ce livre, de la Bible que vous avez entre vos mains. Nous allons vérifier, mes amis, nous allons vérifier. Alors, comment faire pour le reconnaître? Matthieu 7 nous dit, on le reconnaîtra, on le reconnaît à leurs fruits. D'accord? À leurs fruits. Si un manguier est un manguier, c'est parce qu'il porte des mangues. Donc, la valeur d'un manguier provient, n'est-ce pas, de ses fruits. Un avocatier, c'est pareil. S'il est avocatier, c'est parce qu'il porte des avocats. Un oranger, c'est pareil parce qu'il y a les oranges. Vous voyez, un citronnier, c'est pareil parce qu'il y a des citrons. Donc, ces arbres-là portent des noms qui sont en rapport, n'est-ce pas? Des noms qui ont une corrélation avec les fruits qu'ils portent. Vous voyez? Et c'est terrible. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les faux ouvriers, n'est-ce pas? Ils sont faux parce qu'ils ne peuvent pas produire des bons fruits. Vous voyez? Et le Seigneur dit, comment pouvez-vous porter des bonnes choses, dire des bonnes choses, vous qui, n'est-ce pas, servez le diable? Et donc, ils ne peuvent pas produire des bonnes choses parce que leur fond ne peut pas rester caché. N'est-ce pas? Allons voir, mes amis. Et la première, il y en a plusieurs, hein, donc je vais citer dans tous les sens, hein, donc les caractéristiques, et dans un ordre pas forcément croissant. Donc, comprenez, mais la première caractéristique que je vois ce soir, dont je vais parler ce soir, c'est d'abord les apparences. Les apparences. D'accord? Les apparences. Les ouvriers de Satan mettent l'accent sur leurs apparences. Ils embellissent leurs apparences. Ils sont très calés, très forts là-dessus. Les apparences. Écoutez très bien. Allons voir dans Ésaïe. Nous sommes, mes amis, dans Ésaïe. Nous sommes dans la Bible, hein? Nous ne sommes pas dans un autre livre. Pour ne pas dire que je reprends d'autres choses. Voilà. Et nous sommes dans Ésaïe 53. Yann, est-ce que tu peux nous faire la lecture du verset 1er au verset 3? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ok. On peut s'arrêter là. C'est parfait. D'accord? On peut s'arrêter là. C'est. On nous dit que Jésus n'avait ni beauté, ni éclat. Hein? Donc, le mot éclat ici, signifie aussi parure, littéralement. Donc, Jésus n'avait pas une parure extérieure, n'est-ce pas, pour attirer les gens. Le mot éclat ici signifie aussi gloire, gloire charnelle. Vous voyez, les apparences. Il n'avait ni beauté ni éclat. Alors, regardez bien les pasteurs d'aujourd'hui. La plupart embellissent leur image. Voilà pourquoi ils font beaucoup de photos. Photoshop. Les apparences. On dit bien les apparences sont trompeuses. La langue française, mes amis, la langue de Molière, est une belle langue. Et les apparences. Alors, quelle était l'apparence, hein, de Yeshua? Et on apprend ici, et c'est bien dans la Bible de Martin, il est dit qu'il n'avait pas eu une apparence, hein, attirante pour attirer. Voyez, on nous dit clairement ici, Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Hein? Et dans d'autres versions, il est dit pour se faire désirer par nous.
D'accord ? De manière charnelle. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est-à-dire, oh, c'est pour cela qu'il a été dédaigné. N'est-ce pas ? Nous dit la parole. C'est pour cela, donc le verset 3. Hein. Donc nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait rien pour attirer les gens. Au point où, quand Judas, pour que Judas, mes amis, quand il a trahi le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit au sacrificateur, au soldat, celui à qui je donnerai un baiser, c'est celui-là, arrêtez-le. Parce que Jésus pouvait être facilement, mes amis, se fendre dans la foule. Voyez ? Donc il n'avait aucune apparence pour attirer les gens. Écoutez bien l'enseignement. Si vous avez le même Jésus, vous ne pouvez dire que dire amen à la parole. Donc, la première caractéristique de l'église de Satan, de l'église du diable, de l'église de Lucifer, c'est l'apparence soigneuse de ses ouvriers. Donc, on a vu déjà que Jésus, notre maître, n'avait pas d'apparence. Et mes amis, et Paul dira même que les on peut même le lire, frères et sœurs, nous sommes dans Galates, hein, donc Paul, disciple du Seigneur, hein, et Dieu est bon, frères et sœurs, Dieu est magnifique. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu parle à son peuple, frères et sœurs. Les écailles vont tomber de vos yeux afin que vous soyez complètement libérés. Au nom de Yeshua. Alléluia. Paul. Voilà. Merci Seigneur. Et voilà. Alors, on va d'abord. Nous sommes dans Galates 6. Et nous allons lire à partir du verset Yann, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. On peut s'arrêter là. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair. Voilà les apparences. Donc, dans l'église de Satan, les hommes qui la composent veulent se rendre agréables selon la chair. Donc, voilà pourquoi l'accent est mis sur les apparences. D'abord sur les apparences de l'homme qui prêche. Chez les catholiques, vous avez vu, c'est les soutanes. D'accord ? Les toges. Chez quelques pasteurs évangéliques aussi, mes amis, on retrouve aussi ce même accoutrement. Donc des toges, des soutanes. Chez certains pasteurs, c'est le collet clérical. D'autres, c'est tout le temps le costume et cravate qui devient, n'est-ce pas, la tenue. N'est-ce pas officiel du pasteur? Voyez? Et c'est terrible. Les apparences. Et le Seigneur dit dans Matthieu 23 aux pharisiens, vous êtes comme le tombeau blanchi. Vous paraissez beau aux yeux des hommes, mais dedans vous êtes rempli d'ossements et d'impuretés. Voyez? C'est ça, les apparences. Satan soigne ses apparences. Si, c'est pour cela, le mot séduction, en grec, apaté. Donc, voyez? Pour attraper un poisson, vous n'allez pas lui montrer l'hameçon. Vous allez lui montrer cet appât, n'est-ce pas, qui paraît beau. Mais derrière, il y a la mort. C'est comme le fruit que Satan a montré à Ève. Vous avez vu les apparences? La femme a vu que ce fruit était agréable à la vue et bon à manger. Mais à l'intérieur, elle n'a pas vu qu'il y avait la mort, le sida. Qu'il y avait, mes amis, toutes ces maladies qui nous frappent aujourd'hui. Voyez, Ève s'est laissée séduire. Pourquoi? Parce qu'elle a vu la beauté extérieure du fruit. Et c'est comme ça que beaucoup se font avoir. Les apparences. D'ailleurs, chez les Grecs qui utilisaient la rhétorique, mes amis, soignaient beaucoup leurs apparences. Énormément leurs apparences. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi ils vont mettre en place la rhétorique. N'est-ce pas? Avec l'éthos. L'éthos qui faisait appel, mes amis, à l'apparence hein, du prédicateur, le pathos aux émotions, hein, la rhétorique donc, et l'argumentation, c'était le logos, la parole. Vous voyez, et l'éthos faisait appel aux émotions.
aux émotions et à l'apparence, pardon. Donc les débatteurs de l'époque, chez les Grecs, les sophistes, habillés souvent en soutane. Et ils étaient, mes amis, craints. Et c'est comme ça qu'ils se différenciaient des autres membres de la Grèce antique, des Grecs, des citoyens grecs. Donc ils étaient constamment habillés en soutane, et ils étaient craints, respectés, ils allaient partout avec leurs, mes amis, pupitres, tout ça, pour répéter par cœur, hein, donc, répéter les vers d'ordre d'Homère. Donc ils étaient beaucoup, beaucoup respectés. Et on retrouve malheureusement cette coutume, cette tradition, cette culture grecque dans les églises de Satan aujourd'hui, où l'accent est mis sur la rhétorique, l'accent est mis sur les apparences, n'est-ce pas? Et voilà, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, nous lisons le verset à partir du verset 1er jusqu'au verset, n'est-ce pas, et 6. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Voilà. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force. Vous avez vu? Donc, regardez bien, mes amis, la nature, l'état de cœur de ces hommes, dont l'apparence est soigneuse. On nous dit qu'ils sont, mes amis, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, ils ont oublié d'où ils sont, ils oublient qui les a formés. Alors que les vidéos sont sur le net, ils oublient d'où ils sont sortis. Pourquoi? C'est des voleurs, des impudiques. Et c'est comme ça, regardez Judas a oublié d'où il est sorti. Il est allé vendre son maître. Regardez mes amis Géasi, il a oublié d'où il est sorti, il est parti avec la lèpre. Voyez, regardez Corée, Abiram. Dieu dit dans Ésaïe, Israël ne connaît pas son possesseur, son Dieu, son maître, alors que les animaux connaissent leur possesseur, n'est-ce pas? Dans Ésaïe chapitre 1er. Et c'est ça, mes amis, la réalité, mes amis, aujourd'hui dans nos pays, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne sont pas chrétiens. Beaucoup de ceux qui se disent pasteurs ne le sont pas, apôtres, prophètes, docteurs. Et comment le reconnaître? Regardez d'abord leur apparence. Ensuite, regardez l'apparence de leur bâtiment d'église. Comment c'est embelli avec de la couleur pourpre, avec de l'or. Regardez comment le tapis, il y a du tapis, du marbre partout. Voyez les apparences. Ils soignent leurs apparences. Et Paul dit ici, ils ont l'apparence de la piété. Quand on le regarde extérieurement, on se dit, oh quel homme de Dieu. Oh, quel bâtiment d'église. Vous avez vu dans Apocalypse 17, quand Jean a vu la beauté de cette femme, Jean en était étonné. Et l'ange lui dira, pourquoi l'admires-tu? Parce que le verbe étonner ici, mes amis, il faut aussi admirer. Jean était déjà apôtre, hein, mais il a quand même admiré Babylone. Pour vous montrer à quel point Babylone est séduisante, frères et sœurs. C'est terrible. Si on n'est pas tout le temps avec le Seigneur, on peut se laisser emporter. C'est un vent qui déracine, mes amis, certaines personnes, les apparences. Et c'est le contraire de ce que Jésus avait, de ce que Jésus faisait. Paul même disait que certaines personnes lui ont témoigné presque du mépris en le voyant. Et la plupart des hommes authentiques que Dieu a suscités ont tout le temps été rejetés à cause de leur apparence. La Bible dit que parmi les gens que Dieu a appelés, il n'y a pas beaucoup de nobles. Dieu a choisi les choses viles du monde. Souvent, ils sont méprisés, rejetés. Qui pouvait croire les femmes 2000 ans avant? Et Dieu, Yeshua, n'a pas choisi des hommes, mes amis, lettrés. C'était des hommes sans instruction, nous dit la parole, dans Actes. Souvent. Vous voyez, frère? Et c'est terrible. Dieu a choisi dans 2 Rois 7, 4 lépreux
pour nourrir toute une ville qui était affamée, tout un pays. Qui pouvait croire que le réveil pouvait venir de quatre lépreux? Mes amis, les apparences. Combien de gens ne passent-ils pas à côté de leur bénédiction parce qu'ils s'arrêtent sur les apparences? Oh non, c'est un noir, oh non, c'est un blanc, oh non, c'est un chinois, à cause du racisme, tout ça. Oh non, c'est un Antillais, oh non, c'est un Congolais, c'est un Zaïrois, tout ça. Voilà les langages que nous tenons. Pourtant, Dieu, mes amis, qui est à l'intérieur, n'est pas Congolais. Dieu qui est à l'intérieur n'est pas blanc. Dieu qui est à l'intérieur n'est pas noir. Il n'est pas chinois, il n'est pas rouge, il n'est pas jaune. Dieu est esprit. Voyez, frère? Ce n'est pas la maison qui est importante, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, frères et sœurs. Ce n'est pas le contenant, c'est le contenu qui importe. Voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Et nous sommes une tente qui contient Dieu. Pas dans sa totalité, bien sûr, mais une partie. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas s'arrêter sur les apparences. Regardez le prophète Samuel, quand il arrive à Bethléem, et qu'il a vu Eliab, un gars costaud, un grand militaire, un vaillant homme. Il dira, certainement, c'est celui-là que Dieu a oint, celui-là que Dieu a appelé. Et Dieu lui dira, oh bon prophète, ne t'arrête pas sur son apparence. L'homme regarde à ce qui frappe le regard, mais moi Dieu, je regarde au cœur. Voyez, frères et sœurs, oh que Dieu nous aide. L'église de Satan a misé sur les apparences. Voilà, les apparences. Et nous sommes dans une génération où tout est beau. La génération de l'imagerie. Tout est avec Photoshop, tout est embelli. On voit des photos des pasteurs qui prennent des positions. Mes amis, c'est comme des stars. Oh, ce sont des faux prophètes. Si Élie était aujourd'hui sur terre, il refuserait les photos. Frères et sœurs, c'est terrible. Et la Bible nous dit que Yeshua n'avait rien pour attirer nos regards. Donc ces photos de Jésus que vous avez là, ce sont des photos de démons. C'est un démon, ce n'est pas le vrai Jésus. Frères et sœurs, c'est terrible. Donc les apparences sont trompeuses. Voyez, frère, c'est terrible. Donc ça, c'est la première caractéristique. Et regardez les pharisiens, ils mettaient de longues robes. Voyez. Et quand les gens le voyaient, ils disaient, oh, ce sont les hommes de Dieu. Oh, c'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, si vous allez dans les églises d'aujourd'hui, si vous y allez en babouche, en tongs, en claquettes, on va vous faire asseoir au fond de la salle. Et si vous êtes en costume et cravate, bien habillé, bien parfumé, on vous fait asseoir devant. Allons voir Jacques. Qu'est-ce que Jacques, notre frère, nous dit? Nous devons aimer la parole, frère. Satan va être démasqué encore au nom de Jésus. Dieu est bon. Oh Seigneur, sauve-nous. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur nous enseigne sa parole. Au nom de Yeshua. Alléluia. Nous sommes dans Jacques, chapitre 2, merci Seigneur. Chapitre 2, Yann, à partir du verset 1er. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique. Un anneau d'or et un habit magnifique. On peut dire c'est costume et cravate. Soutane. Habit de marque. Jacques était à la page, mes amis. Là. Il est toujours à la page. On continue. Et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Oh, dans la parole, il y a tout, Yann. Hein? Amen. Misérablement vêtu. On continue. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout. Ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre? N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Voilà. Voilà, frères et sœurs. Jacques était clair. Et clair, hein? Jacques a été transporté, mes amis, transporté par l'esprit jusqu'à notre génération. Il a vu les églises de Satan. Il a vu comment les hommes en costume et cravate, en soutane, sont assis devant. Les hommes et les femmes magnifiquement habillés sont assis, mes amis, devant. Il a vu comment les pauvres, misérablement vêtus, sont relégués, mes amis, à la dernière place. Jacques a vu tout ça. Voilà aujourd'hui, mes amis, l'état de nos églises. Voilà pourquoi même beaucoup de pasteurs africains vont éclaircir leur peau, mes amis, sur les apparences. Ils ont des beaux sourires sur leurs photos ou sur leur site internet. Regardez bien avec leurs femmes comment ils sont tout beaux. Les apparences, c'est le diable qui règne là-dedans. Là. C'est des tombeaux blanchis. Il n'y a plus la vie. Sortez de là.
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Vous avez vu? Si vous allez dans les cimetières ici en Europe, vous risquez même de mes amis, de vous loger là-dedans, hein, de passer la nuit là-dedans, tellement que, mes amis, certaines tombes sont bien embellies. Hein? C'est terrible, vous allez dans les Antilles, mais les tombeaux sont bien embellis, bien décorés, frère. Parfois, les tombes sont mieux décorées, mes amis, que certaines maisons. Mais si vous ouvrez seulement à l'intérieur, mes amis, il y a de la puanteur, ça sent mauvais. Voilà. Il y a des vers qui font leur festin. Voyez, frère? Et c'est l'état des églises de Satan. Donc, toutes les églises où il y a des photos, toutes les églises où vous avez les belles images, où vous avez des tapis rouges, vous avez des marbres dans les bâtiments d'église, tout ça là, ou des vitrailles, tout ça là, c'est le diable qui règne là-dedans. Allez voir la basilique Saint-Pierre, comment c'est beau sur le plan humain, comment c'est embelli. Eh bien, mes amis, c'est rempli de cadavres, c'est la mort. La mort, complètement. Et c'est ça l'état des églises de Satan, que personne ne vous trompe. Je ne dis pas non plus que les églises qui ont les bâtiments d'église ou les maisons d'église qui paraissent pauvres, Dieu là-dedans, ce n'est pas ça le message non plus. Parce que Satan est très malin aussi. Voilà. Mais sachez seulement qu'il aime mettre l'accent sur les apparences plutôt que sur la transformation des cœurs. Voyez, parce que l'homme regarde ce qui frappe le regard. Même si vous allez au marché aujourd'hui en Europe, en France, pour acheter des fruits, il y a des taches dessus, hein, sur la banane, hein, les bananes, les gens ne vont pas acheter. Voilà pourquoi il faut des produits sur produits, des pesticides, pour, mes amis, que les apparences des fruits soient, mes amis, attirantes, n'est-ce pas? Et voilà, mais voilà, c'est souvent, on se laisse avoir comme ça. C'est parce qu'on est facilement, mes amis, attiré par cette beauté apparente. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Donc, les apparences, ne vous laissez plus faire, mes amis, ne vous faites plus avoir par les apparences. Regardez leurs photos ici et là, ce sont des apparences, c'est pour vous séduire, vous attirer à eux, au nom de Yeshua. Faites attention. Ça, c'est la première caractéristique. Ils sont tout le temps en costume et cravate. Le jour où vous allez commencer à voir le pasteur de votre église en claquette, en tongue, en babouche, vous pouvez comprendre croire que Dieu a commencé à le travailler. Voilà. Donc, que Dieu nous garde. Donc, ils ont des costumes toujours, hein, donc des grandes marques, hein, parce qu'ils se disent c'est l'homme de Dieu. Regardez bien sur YouTube, vous allez voir leurs apparences. C'est simple. Ce sont des séducteurs. Le mot séduction signifie appâter par la beauté extérieure. Voyez, voyez, frères et sœurs, allons voir dans Apocalypse chapitre 13. Mes amis, que Dieu nous aide. Apocalypse chapitre 13. On nous dit, le Seigneur dit, hein, donc, ils viennent à vous en vêtements des brebis, de brebis. Voilà comment ils viennent, en vêtements de brebis. Mais au fond d'eux, ce sont les loups ravisseurs. D'accord? Cruels, en vêtements de brebis. Donc, ils soignent leurs apparences. Parfois, ils sont plus propres, les brebis. Nous sommes dans Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ah! Deux cornes qui parlaient comme celles, qui étaient semblables à celles d'un agneau. Donc, l'agneau, c'est Jésus. Voilà, on nous dit que c'est une bête. Mais qui se fait passer pour un agneau? Vous me direz, frère, mais la bête, l'agneau est aussi une bête. Oui, mais ici, quand on parle de la bête, c'est-à-dire c'est la bestialité, c'est la méchanceté. Et voilà une bête méchante qui a pris l'apparence d'un agneau. Jésus nous avait prévenus. 70 ans presque, mes amis, 60 ans presque après Jésus, voilà comment, mes amis, cette bête, le faux prophète, n'est-ce pas, la papauté, va soigner son apparence. Pour voilà. Est-ce qu'on peut trouver une image sur le net là, avec un agneau qui se déguise, un loup qui se déguise en agneau, je ne sais pas. Il y a une belle image comme ça, là, si on peut nous balancer cela, ce serait une bonne chose. Sur les apparences, dès que vous l'avez trouvé, faites-nous signe, parce que beaucoup de chrétiens se font avoir comme ça. Oh, ce pasteur paraît beau. Oh, il est bien habillé. Il sent bon. Il est tout le temps costume et cravate. Oh non, mais avec sa femme, oh quel couple, tout ça. Faites attention, le diable est derrière. Il nous dit que la bête en question, qui avait deux cornes, hein, c'est-à-dire ici, les cornes représentent l'autorité. D'accord? Cette bête manifestait une autorité qui était semblable à celle de Christ. D'accord? Terrible. Les cornes, selon Daniel 8, 20 à 21, représentent les royaumes, la puissance, l'autorité royale. Donc, cette bête,
avait du charisme qui, mes amis, pouvait faire croire que c'était Yeshua. C'est terrible. Mais quand elle ouvrait la bouche, c'était le dragon. Vous avez vu le contraste? L'apparence d'un agneau, l'intérieur, c'est le dragon. Et le dragon, vous savez que c'est le diable. D'accord? C'est terrible. Voilà pourquoi ces hommes qui paraissent beaux, ils sont bien habillés, tout ça, mais quand ils commencent à parler, mes amis, c'est l'argent, l'argent, donner, donner, donner. Ils ne peuvent pas s'empêcher de vous dépouiller. Donner, 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 donner. Hein? Ça, c'est la deuxième caractéristique. Mammon. Mammon, l'argent. L'argent. La première caractéristique, c'est l'apparence, les apparences. La deuxième, c'est l'argent qui est au centre. L'argent. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, dit Ecclésiaste 5, 9. Voyez, frère, regardez bien ces églises-là. Toutes les églises qui sont endettées, écoutez bien, toutes les églises qui ont des dettes, Dieu n'est pas là-dedans. Si votre église est endettée, prenez vos jambes à vos cous, quittez-la. Dieu n'est plus là-dedans. Jésus avait des dettes? Non. Je n'ai pas vu dans la Bible une seule assemblée qui était endettée. Elle marchait par la foi. Chaque jour, Dieu leur donnait leur pain quotidien. Donc, quand c'est des dettes, cela veut dire que Dieu n'approuve pas ce ministère. Je ne parle pas de la prospérité financière, attention. Mais Dieu n'approuve pas ce ministère alors qu'ils sont endettés. Il y en a qui ont eu des dettes de 41 000 euros, ils disent que c'est à cause de la dîme. Parce qu'il n'y a plus la dîme. Parce que Dieu n'est plus avec toi, c'est aussi simple que ça. Voilà. Les dettes. Et ensuite, ils vont parler de l'argent, l'argent, l'argent. Donner, 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 matin, midi, soir. Ils mettent plusieurs paniers devant vous. Donner, donner, donner. Et donc, dans dans cette doctrine-là, mes amis, de Mammon ou Mammon, il y a aussi le côté, mes amis, commerce. Donc, la vente des produits dérivés de la Bible. La vente des Bibles, donc les librairies chrétiennes, soi-disant, tout ça, là, ce n'est pas dans la Bible. C'est commercial, c'est le serpent qui est derrière. C'est l'esprit de Mercure, le dieu du commerce chez les Grecs, qui est derrière. Et hein, c'est cet esprit qui est derrière, mes amis, l'esprit de commercial. Donc, toutes les églises où l'on vous vend des livres, des CD, des DVD, des coffrets d'enseignement, c'est des églises de Satan. Il y en a qui vendent par ignorance, c'est vrai. Mais sachez seulement que l'esprit qu'il y a derrière, c'est le diable. Voilà. C'est le diable. Pourquoi? Parce que Jésus, dans Jean 2, a chassé les vendeurs du temple. Nous sommes dans Jean, Yann. Donc, l'esprit, la deuxième caractéristique de l'église de Satan, c'est la cupidité, l'argent, l'amour de l'argent, n'est-ce pas? Tout ce qui est dîme, l'enseignement sur la dîme, l'enseignement sur les offrandes du prophète, c'est-à-dire il faut bénir l'homme de Dieu quand il prêche à tout prix. Et il faut donner une enveloppe à tout prix. On peut soutenir les frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Mais de là à aller exiger une enveloppe parce qu'on a prêché, ça devient, ce n'est pas correct. Si les frères et sœurs eux-mêmes sont touchés par le Seigneur pour te soutenir, il n'y a pas de problème. Mais de là à aller exiger, avoir un cachet. Hein, quand on va prêcher ici et là, c'est le diable qui est derrière, ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous sommes dans Jean, mes amis. Nous vous donnons quelques, mes amis, caractéristiques de l'église de Satan pour ne plus vous faire avoir. Jean chapitre 2. Et, hein, donc, merci Seigneur. Et voilà. Nous sommes en verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ok. Alors, il est dit ici que Jésus va trouver dans le temple. Il trouve quoi ? Il trouve qui ? Il trouve
les marchandises et les marchands. Il trouve un marché. Un marché, mes amis, rentable. Un commerce très rentable. Et c'est, j'aime la parole, hein. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. C'est-à-dire établis, installés confortablement. Et c'est pour cela dans nos églises, les marchands du temple sont installés confortablement. Tout pasteur qui vend ses livres, toute personne qui se dit chantre, musicien chrétien qui vend ses CD est touché par le démon. Il est touché, cet homme, cette femme, ils sont touchés par l'esprit de Satan. Ils font partie de l'église de Lucifer. Et si Jésus revenait aujourd'hui, il va trouver quoi? Il va trouver qui? Il va trouver dans ces assemblées, les tables de changeurs de monnaie, de vendeurs, de CD, de coffrets d'enseignement. Hein? C'est la même chose qui se reproduit. On le lit par contre chaque jour. Mais pourtant, on ne comprend pas toujours. Il a fait un fouet, il les a chassés de là. Et qu'est-ce que ça passe? 2000 ans après, Satan est revenu, il est venu, il a installé ses églises avec ses ouvriers. Ce sont ses commerçants. Hein, on balance l'image, merci mes amis. Voilà. Voilà cette image qui est très connue. Voilà un loup qui se dit apôtre, prophète et docteur, évangéliste, diacre ancien, bishop, archibishop. Voilà comment, ou encore monseigneur. Hein? Mon Seigneur quand même. Il y a un seul Seigneur, mais il y a plusieurs mon Seigneur. C'est grave. Vous avez vu? Ils sont là bien installés. Et ça vend. Et ça vous vend. Et qui sont les commerçants? Vous y allez dans ces endroits. Vous allez dans ces endroits pourquoi? Pour acheter ou pour prier. Le Seigneur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne des voleurs. Donc du coup, on n'y va plus pour adorer, mais on y va pour acheter et vendre. Il y a même certaines assemblées africaines où des femmes vendent du manioc, de la chikwang, hein, des produits africains. Et d'autres assemblées européennes où, si vous invitez, mes amis, un prédicateur français de souche, il va venir avec, mes amis, son commerce, avec ses marchandises. Il vient avec ses livres qu'il a écrits, il vient avec ses PDF, il vient avec ses audios, avec ses DVD, avec ses CD, et mes amis, vous allez voir qu'à l'entrée de la salle, on va installer, mes amis, des stands, hein, et on vous propose, mes amis, d'acheter toutes sortes de produits. Vous croyez que l'Esprit de Dieu derrière tout ça, c'est du commerce, c'est Babylone. Nous sommes dans Apocalypse 18, Yann, mon frère. Voilà la deuxième caractéristique de l'église de Satan. Les gens aiment l'argent, les gens prêchent sur la dîme, les gens vendent des objets là-dedans. Quittez ces églises, prenez vos jambes à vos coups, courez, quittez, vous irez en enfer sinon. Nous sommes dans Apocalypse 18. Verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a été versée, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement.
se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Même les âmes d'hommes, même les hommes sont vendus. Voyez ? Et c'est terrible, voilà pourquoi ils vendent des huiles sur leur boutique. Hein. Sur Top Chrétien, vous pouvez trouver des huiles qui viennent d'Israël. Donc, vous voyez, c'est Babylone. Babylone ! Vous voyez, mes amis, les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles. Ça, c'est l'église de Laodicée. Je me suis enrichi. Comment ? En vendant des produits, mes amis, dérivés, en vendant des enseignements bibliques, la formation biblique, des livres, des ouvrages, tout ça, acquis aux clients, c'est-à-dire les chrétiens. Ils se sont enrichis, les marchands. Et c'est terrible, mes amis, c'est terrible que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande ? Il nous dit de sortir de là. Mon peuple, disait-il, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, écoutez bien, tous les ministères, toutes les églises qui ont des boutiques, qui vendent des livres, des produits bibliques, des bibles, qui vendent, mes amis, je ne sais pas, du parfum, des huiles, des vêtements, avec le nom de Jésus. Hein? Tout ça, c'est du commerce, ce sont les démons qui sont derrière. Quittez ces églises. Quittez ces églises. C'est le diable qui domine. C'est le diable qui les dirige. Vous irez en enfer si vous ne quittez pas ces églises-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'église du Seigneur n'est pas un endroit où on doit vendre les choses. C'est un endroit où on doit diffuser massivement la parole comme le maître nous l'a recommandé. Et gratuitement. Car nous avons reçu gratuitement. Nous devons donner gratuitement. Le Seigneur l'a dit clairement dans Apocalypse 21:6. Il dit que celui qui a soif vienne boire de l'eau à la source, mes amis, d'eau de vie. Hein, dans Apocalypse 22:17, il dit également, pareil, la même chose, que celui qui a soif vienne boire de l'eau. Et dans Ésaïe 55, Dieu dit, venez acheter sans argent, hein, du vin, du lait. Tout ça, c'est gratuit. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9 qu'il a dispensé l'évangile gratuitement. Et dans Actes 20, il a dit, mes amis, à partir du verset 32, qu'il a donné gratuitement l'évangile aux gens. Et c'est ça l'évangile. Donc, tous ces pasteurs qui vous vendent leurs CD, les CD de leurs femmes qui chantent, ce sont des possédés. Tous ces apôtres sont des possédés, quittez-les. Quittez leurs assemblées. Tous ces apôtres qui ont des studios d'enregistrement, qui vous demandent de l'argent pour faire des CD, des albums, quittez ces assemblées. Frères et sœurs, quittez ces assemblées. Partez de là. Vous allez me dire, frère, on va faire quoi ? Quand Lot a quitté Sodome et Gomorre, est-ce qu'il était mort ? Il se retrouve avec ses deux filles sur une montagne. Montez sur la montagne avec le Seigneur, c'est tout. Prenez vos femmes et vos enfants, priez à la maison. C'est tout. Priez avec ceux qui craignent le Seigneur. Ne vous laissez plus, on vous impose les achats. Vous trouvez ça normal ? Vous allez pour prier le Seigneur avec des frères et sœurs et ils vous transforment en acheteurs. Vous avez des coffrets de leurs enseignements chez vous à la maison. Vous trouvez ça normal ? Quand est-ce qu'eux, ils vont acheter vos enseignements ? Hein ? Il n'y a plus la communion fraternelle ? C'est quand même du vol. Ils sortent des livres et ils le vendent 1000 euros, tout ça, 10 000 euros. Vous trouvez ça normal, chrétien ? Mais vous voulez quoi, vous aussi, les chrétiens ? Vous voulez qu'on vous prêche quoi ? Qu'on vous prêche qui ? Qu'on vous prêche comment ? C'est simple. Prenez vos jambes à vos coups. Quittez ces églises où les démons, mes amis, travaillent. Ces bâtiments-là sont remplis de démons. Je vous le dis. Ce sont des bâtiments des démons. La Bible nous dit ici en Apocalypse 18 que ce sont des repères des démons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ne me lapidez pas. Lapidez la Bible dans ce cas-là. Et là, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Donc, la deuxième caractéristique de l'église de Satan, c'est la cupidité, c'est l'argent, c'est le commerce, n'est-ce pas ? C'est la vente des Bibles, des enseignements, des formations bibliques payantes, tout ça. Tout ça, là, c'est le diable. Quittez. Il y a les apparences d'abord,
premièrement. Deuxièmement, vous avez la vente des produits, tout ça. La troisième caractéristique, vous allez trouver dans leur, sur leur site le mot pasteur principal. À chaque fois que vous voyez un homme se présenter comme le pasteur principal de d'une église, sachez que c'est le démon qui le possède. Voilà. Dans toute la Bible, il n'y a pas un seul verset où on a présenté un homme comme étant le pasteur principal. Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit lui-même, dans Psaume 23, « Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, si Dieu est ton berger, tu ne vas rien manquer. Alors, pourquoi cours-tu après les faux bergers? Et dans Jean 10, Jésus-Christ a dit qu'il y a un seul troupeau et un seul berger. Voyez? Dans 1 Pierre 2, regarde dans Ésaïe 53 là, mes amis. Regardez dans Ésaïe 53 là. Pasteur principal d'une église locale. Vous vous rendez compte? Quelle insulte! Quel mensonge! Ça veut dire qu'à part lui, il n'y a pas de pasteur. Alors que le pasteur principal, c'est Jésus. Ils ont pris la place de Jésus. Nous sommes dans Ésaïe 53. Et verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions tous comme des brebis, mes amis, chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie parce qu'il y avait plusieurs bergers. Vous voyez, frère? Et nous sommes dans 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Voilà, le pasteur principal. C'est ce que ma Bible me dit ici. Jésus-Christ est le seul pasteur principal. N'est-ce pas? Nous sommes retournés vers le souverain berger. Frères et sœurs, le pasteur principal, c'est Jésus. Donc, à chaque fois que vous voyez sur un site un homme se présenter comme le pasteur principal, le pasteur seigneur, pasteur leader, ce sont des possédés. Ce sont des serviteurs de Satan. C'est-à-dire, ils ont pris la place de Jésus dans ces assemblées. Un conseil, prenez vos jambes à vos cous, quittez. Voilà. Frères et sœurs, Pierre, c'est lui qui parle ici. Et Dieu l'avait établi pour paître. À trois reprises, Yeshua lui a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Mais Pierre va reconnaître que le seul véritable pasteur de toutes ces âmes, ce n'était pas lui. C'était Yeshua le Messie, Jésus-Christ. Et vous vous présentez comme les pasteurs principaux. Mais vous êtes possédés, mes amis, là. Repentez-vous. Et ça, c'est la troisième caractéristique. L'homme devient Dieu dans le bâtiment d'église. L'homme devient incontournable. L'homme devient le principal, mes amis, de l'église locale. C'est le diable qui règne là-dedans. Quittez. Voilà. Donc, on vous donne quelques, mes amis, caractéristiques. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Voilà. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. Surtout que les églises locales travaillent avec un collège d'anciens. Voilà, donc il y en avait plusieurs. Et d'ailleurs, dans Éphésiens 4, même dans le grec, le mot pasteur, le seul endroit dans tout le Nouveau Testament où il est question du terme poimen en grec en rapport avec la fonction pastorale exercée par les hommes, ce seul verset-là, dans Éphésiens 4, 11, fait, n'est-ce pas, allusion à plusieurs pasteurs qui travaillaient en équipe. Donc c'était les anciens. À chaque fois, on parlait d'eux au pluriel. Il n'y avait pas quelqu'un à la tête qui était comme un principal pasteur. Non. Voyez? Ça, c'est la troisième caractéristique. Les églises locales étaient dirigées par des groupes d'anciens. Ils travaillaient local, ils étaient tous ensemble. Comme dans Acte 13, on nous dit qu'il y avait des apôtres, des prophètes et des docteurs. Ils étaient tous ensemble. Mais là, diriger une église avec, comme étant un pasteur principal, mais ça, c'est des erreurs dans lesquelles nous sommes tombés hier parce qu'on était nés dans ce système diabolique. Maintenant, Dieu nous a sortis de là. On fait la distinction entre la vision, le ministère et l'église locale. L'église de corps, l'église est un organisme dirigé par un groupe, par l'esprit d'abord, et à, n'est-ce pas, un groupe d'anciens que les frères et sœurs peuvent élire au temps de Dieu. Voyez, c'est terrible. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, au nom de Yeshua, que Dieu nous aide, mes amis. Et l'heure est grave, je vous dis, l'heure est grave. Première caractéristique, c'est les apparences. Deuxième
caractéristique, mes amis, c'est l'argent qui est, mes amis, prêché, mammon, l'argent, matin, midi, soir, la cupidité, la vente des produits, la vente des choses, des enseignements, la formation biblique est vendue et payante, tout ça. La troisième caractéristique, ce sont, mes amis, des pasteurs principaux que l'on voit partout, des pasteurs seigneurs, partout, qui dominent, qui gèrent les églises avec leurs, mes amis, reines à côté, leurs femmes à côté, les entreprises familiales, mes amis. C'est terrible, hein? L'homme et la femme qui gèrent l'entreprise familiale. Quatrième caractéristique. Pas dans un endroit, mes amis, plus de 5 ans. Voyez, il n'y a aucun apôtre. Écoutez bien, vous qui me suivez, même vous qui me combattez. Il n'y a aucun apôtre dans la Bible, prouvez-moi le contraire, qui était resté dans une maison ou dans un bâtiment 10 ans. Plus de 5 ans, ça n'existe pas. Alors pourquoi on vous appelle apôtre? Vous êtes des apôtres par rapport à quoi? Vous êtes accrochés à ce titre-là, hein? Pourquoi? Vous êtes resté dans ce bâtiment des années. Vous êtes devenus des véritables, mes amis, charlatans, voleurs, gourous, destructeurs des brebis, contrôleurs des brebis du Seigneur, comme des huissiers à qui l'on doit rendre compte. Voyez? Vous allez me dire, frère, et toi, pourquoi tu restes? Moi, je reste plusieurs années, je ne reste pas plusieurs années dans un endroit. Ici, là, on finit le programme de réveil, on va arrêter pour passer à autre chose. Un apôtre authentique ne reste pas confiné dans un bâtiment. 5 ans, tu es toujours là, apôtre, en costume et cravate. Tu n'es pas apôtre. Tu es un commerçant, tu es un contrôleur. Tu es en train de contrôler ton petit troupeau que tu ne veux plus voir aller prier ailleurs. Tu n'es pas pour contrôler le Seigneur. Voilà. Aucun apôtre. Si votre la question dans ce bâtiment, je dis plus de ça, on va vous lâcher. Les apôtres ont travaillé pendant 4 ans à Jérusalem, Dieu les a dispersés. Quelque part, qui fait travailler 3 ans. Vous servir de. Comment pouvez-vous servir. Comment pouvez-vous vous servir de. N'est-ce pas. Du ministère de Paul comme référence de vos ministères, tout en vivant et en faisant le contraire de ce que Paul a vécu, a fait. Paul n'a pas vendu ses enseignements, vous vendez les vôtres. Paul n'a pas demandé la dîme à quelqu'un, vous demandez la dîme. Paul n'a pas fait des photos, vous faites des photos. Paul se cachait, vous ne voulez pas vous cacher. Paul, mes amis, n'était pas le pasteur principal des brebis du Seigneur. Il les envoyait à Christ, il les laissait avec Christ. Vous contrôlez les gens, vous ne voulez pas les lâcher. Ces âmes sont devenues vos âmes. Voilà pourquoi vous dites, ce sont mes brebis. Voilà pourquoi ces pasteurs, ces apôtres, frères et sœurs, se présentent à vous comme vos pères spirituels. Alors qu'il y a un seul père spirituel, c'est Yeshua, notre maître, notre père céleste. N'appelez personne sur terre votre père. Ils viennent et vous appellent ma fille. Tout le monde devient leur fils, leur fille. Même si vous avez plus de 30 ans, un queue.
vous êtes âgé de plus de 30 ans que, hein, donc, et ils vous appellent quand même fils, fille. C'est le monde à l'envers. Vous pouvez même être leur grand-père, leur grand-mère, mais ils vous traitent quand même comme leurs enfants spirituels. Vous ne voyez pas que ça le contrôle. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'ils vous contrôlent? Et derrière cet esprit de pasteurs principaux, vous avez la couverture spirituelle. Ils se présentent à vous comme vos bishops, comme vos apôtres. Ils sont établis, ils s'établissent eux-mêmes comme les apôtres des régions. Ils deviennent des obstacles à l'évangélisation. Et ils ne veulent pas voir d'autres ministères arriver dans la ville. Quand ils entendent que quelqu'un d'autre arrive, ils tremblent, ils tremblent, ils tremblent, ils vont attaquer, ils vont critiquer, ils vont dans les coulisses commencer à dénigrer ces missionnaires qui arrivent parce qu'ils ont peur que leur royaume soit renversé. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'insécurité. Et ce sont des gourous. Voilà, les vrais gourous, ce sont eux. Voilà. Posez la question à tous ces pasteurs que vous connaissez, à tous ces apôtres, à tous ces prophètes, depuis combien de temps ils sont dans leur bureau, comme pasteurs de l'église locale. Et ils ont des salaires, voilà pourquoi ils ne peuvent plus abandonner leur poste. Parce qu'ils pensent à leur retraite. Donc, c'est l'esprit de contrôle. Et derrière, comme je vous le dis, cette vision des pasteurs principaux, vous avez, mes amis, on va prendre cette personne en ligne tout à l'heure, vous avez la couverture spirituelle. Dieu seul est notre couverture spirituelle. Selon Psaume 91, celui qui demeure sous l'ombre du Tout-Puissant repose sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voyez, frère, nous dit la parole. Dieu nous couvre avec ses ailes. C'est lui seul, Dieu notre Père céleste, notre seule couverture spirituelle. Voyez, mais eux, ils se présentent à vous comme vos pasteurs principaux. Aucun disciple de Jésus n'a appelé un homme dans la Bible mon pasteur. Quand on leur posait la question, qui est votre pasteur? Ils disaient, c'est Jésus. Qui est votre roi? C'est Jésus. Qui est votre apôtre? C'est Jésus. C'est ça l'évangile, frère. Que vos yeux s'ouvrent. Sortez de ce contrôle. Sortez de là. Et quand ils apprennent que vous allez prier ailleurs, ils vous combattent. Ils vous menacent. Voyez? Ils ne veulent pas quitter leur poste pour aller faire autre chose. Comment vous pouvez... Même le monde nous enseigne. Un homme qui a des enfants... Un couple qui a des enfants, à un moment donné, une fois que les enfants sont grands, ils les laissent faire leur vie. Mais eux, ils ne veulent pas vous laisser faire votre vie, n'est-ce pas? Ils veulent à tout prix que vous restiez dans leur bâtiment à vie. Voilà. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Et surtout, moi j'ai vu, il y a des gens, tu leur donnes l'autonomie, hein, tu leur dis, allez faire ce que Dieu vous demande de faire. Ils ne veulent pas, parce que les gens ne veulent pas être libres. Ils veulent être contrôlés. Paul dit dans 2 Corinthiens 11, il dit, si quelqu'un vous a servi, verset, mes amis, 28 là-bas, si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous frappe au visage, si quelqu'un vous dévore, vous le supportez fort bien. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que ce sont les chrétiens eux-mêmes qui veulent de tels ministères parce qu'ils ont besoin d'être contrôlés. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Vous voyez? Voilà. Et c'est ça la réalité. Beaucoup de chrétiens veulent être contrôlés, écrasés. Voilà pourquoi ils ne veulent pas, mes amis, sortir pour aller voir ailleurs, voir autre chose. Depuis combien de temps vous êtes derrière votre pasteur? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mes amis? C'est grave. Ça, c'est la troisième caractéristique. Ce sont des hommes qui viennent à vous comme vos pères spirituels. Ils vont, mes amis, consacrer des gens au ministère partout, partout, partout pour régner à la tête des églises à vie. Et c'est terrible. Paul a implanté les églises et laissé ces églises complètement autonomes, complètement libres. Mais ces hommes ne veulent pas vous lâcher. Ils vont tourner, 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 tourner et récolter l'argent des églises. Et ils sont comme des rois avec leur petit royaume partout. Ce sont des églises de Satan. C'est le diable qui règne. Vous n'êtes pas libres, frères et sœurs. Quatrième caractéristique, les fédérations d'églises. On va prendre d'abord quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Chora. Bonsoir tout le monde. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Vous m'entendez? Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, très bien. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord, ok. En fait, voilà, c'était juste
un petit rappel. Pendant que vous parliez, j'étais en train de me souvenir que le pasteur où j'ai grandi chez moi en Polynésie, c'est lui qui vous avait... Enfin, j'avais déjà parlé de lui par téléphone avec vous en intervenant dans vos émissions. C'est celui qui vous a nommé... comment vous avez nommé déjà l'accusateur des frères. Allô? Oui, l'accusateur des frères, oui, déjà. Oui, oui. Et... en fait, c'est comme ça qu'il t'avait surnommé. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais qui est frère? Oui, voilà, c'est ça. En fait, non, je rigolais là tout à l'heure parce que quoi, pendant que je t'écoutais parler, ça m'était revenu tout ça parce qu'il n'y avait pas longtemps aussi, je l'avais écrit en message privé, tout ça. Et parce qu'il me disait au mois de mars que si un frère péchait, selon Matthieu 18:15, qu'il fallait d'abord sur la présence de un ou deux témoins, voir avec la personne en fait qui a péché et tout ça et tout ça, bref. Et donc dernièrement, je suis revenue vers lui en message privé. Je lui avais demandé, je lui avais dit que lui seul était apte à me répondre. Je lui ai dit ben, pourquoi tu vends les enseignements, tout ça, patati patata. Donc en fait, je rigolais parce que quand tu parles, on est vraiment éclairé et donc du coup, heureusement pas vos enseignements, ben nous aussi on se laisse plus bobiner par ces charlatans. Hein. Maintenant on n'en veut plus de ces charlatans. On sait que maintenant ce sont des charlots. Et donc du coup. Sincèrement, parce que avant on les croyait vraiment pour... Enfin, moi, je le pensais vraiment être un homme de Dieu. Mais depuis que je suis TV de vie, pour moi, c'est un charlatan, c'est bon. C'est pour ça que je me suis permise d'aller direct au but. Je lui ai dit, pourquoi tu vends? Parce que patati patata. Et donc, il a répondu à côté. Il me disait voilà, que j'avais qu'à regarder ma vie, tout ça. Et puis bon, je sais que si Dieu me permet, un jour... Je le dénoncerai publiquement devant TV de vie parce que voilà, c'est un charlatan. Il faut qu'il arrête de voler les chrétiens en Polynésie là-bas, qui se fait passer pour un homme de Dieu. Donc je lui ai dit depuis toute jeune, on attend que tes prophéties se réalisent, mais de toutes tes prophéties, il n'y a pas une seule qui s'est réalisée. Donc du coup, il y a un problème là. J'ai dit donc ton Dieu est le Dieu de Shura. En fait, nous on croit tous en Dieu, on dit croire tous en Dieu. Mais finalement, on n'a rien chez vous. Donc, j'ai grandi chez Pentecôte, bye bye. Parce que j'ai dit, ni Pentecôte, ni catholique, ni protestant, ciao. J'ai plus besoin de vos machins là. Vous les gardez. Et puis moi, je. Voilà. Là où il y a la vérité, c'est là où je suis. Et voilà. Donc, du coup, il me disait, oui, que je suis vraiment. Que je disais vraiment n'importe quoi, que je volais Dieu, parce que j'étais une voleuse, parce que je donnais pas la dîme à Dieu, et que je serais punie pour ça. Enfin, voilà, enfin, plein de malédictions, plein de menaces. Mais que Dieu soit béni, en tout cas, ma soeur. Est-ce que tu pourras rappeler après l'émission pour que je finisse un peu ce que Dieu me met à cœur là? Il n'y a pas de souci. Merci, merci. Merci. Donc, on a vu que la quatrième, amis, caractéristique est. Les féminations et voilà, donc les pastorales et en fait toutes ces organisations complètement humaines, d'accord, donc qui constituent en fait la religion. Et nous sommes dans Ésaïe 30, verset 1er. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Voilà, donc vous voyez ici, c'est la compromission. Donc, la quatrième caractéristique qui montre, qui prouve qu'une église appartient à Satan, ce sont les fédérations, les alliances humaines. Ici, Dieu, n'est-ce pas, fait des reproches à son peuple qui, mes amis, prenez des résolutions sans le consulter,
qui faisaient des alliances sans sa volonté, des alliances complètement contre nature. D'accord? Donc, comme Daniel 2 le dit, ils se mêleront par les alliances humaines, hein, l'argile et le fer. D'accord? Donc, c'est exactement ce qui se passe. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs aujourd'hui font des alliances avec Babylone, avec le monde, avec la politique. Ils font de la politique de plus en plus. Sortez de là. Sortez de là. Ils créent des partis politiques. Sortez de là. C'est le diable, carrément, qui est dedans. Mes amis, et ils font des alliances aussi œcuméniques avec les catholiques, les protestants, les évangéliques. C'est le diable également qui était de là. Partez. Voyez? Ils font des alliances avec, mes amis, Pharaon. Pharaon, c'est le monde, l'Égypte. C'est-à-dire, ils sont dans les fédérations qui sont dominées, gérées par, contrôlées par les francs-maçons, les rosicruciens. Toutes les fédérations d'église, là, mes amis, ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Donc, si votre pasteur, votre église est dans une fédération, c'est simple, vous recevez l'esprit de l'antéchrist. Car on ne donne que ce que l'on a. Jésus n'était pas dans une fédération. Voilà pourquoi il était chassé des synagogues. Paul, Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas dedans. Ils étaient membres du royaume de Dieu. Nous n'avons pas besoin de toutes ces organisations pour être unis. Car nous sommes déjà unis par le Seigneur grâce à l'œuvre de la croix. C'est lui qui nous a unis dans un même corps par le baptême du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens 12. Ce n'est pas un homme qui viendra pour unir encore les chrétiens visiblement. Nous sommes déjà un en Christ. Tout est déjà accompli, nous dit la parole, frère. Voyez? Donc, ils descendent en Égypte sans consulter le Seigneur. Sans consulter le Seigneur, ils vont se réfugier sous la protection de Pharaon. Donc, on nous propose aujourd'hui, mes amis, l'adhésion. On propose à beaucoup de pasteurs l'adhésion aux églises, aux fédérations d'églises qui sont dirigées par les hommes politiques, par Babylone, par les démons, le diable, par les francs-maçons, pour être protégés. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs vont adhérer à ces fédérations pour ne pas que leurs bâtiments soient fermés. Donc, pour protéger leurs entreprises dans lesquelles leurs prisons dans lesquelles ils vous enferment, ils vont, mes amis, s'associer avec le diable. Si vous apprenez que votre pasteur est dans une fédération, quittez son assemblée, quittez son ministère, ça va vous polluer. La parole est claire, frères et sœurs. Voilà. Ils cherchent un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri de l'ombre de l'Égypte une ignominie. Voilà. Ésaïe 31, verset 1er. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Voilà. Donc là, ils s'appuient sur la multitude des chars. En fait, ils ont des connexions entre eux, entre pasteurs. Ils sont nombreux à se connecter les uns les autres. Ces pasteurs aiment plus les connexions avec les uns les autres que la relation avec le Seigneur, que l'intimité avec le Seigneur. Ils préfèrent, mes amis, bafouer leur relation personnelle avec Dieu au profit de la relation avec les uns les autres. Voyez, les contacts. Ils courent après les contacts, les connexions aux États-Unis, au Canada. Ils sont contents, ils sont fiers. Ils vont faire l'apologie des grands ministères américains, entre guillemets. Mes amis, parce que les plus grands devant Dieu ne sont pas forcément, mes amis, reconnus comme étant des grands devant les hommes. Vous voyez, souvent ils sont rejetés, comme Jean-Baptiste d'ailleurs. Donc, vous voyez, donc si votre pasteur invite dans votre assemblée chaque mois des pasteurs de l'extérieur qui viennent faire des séminaires sur séminaires, sachez que, mes amis, commencez à prier pour que Dieu vous montre réellement ce qui se passe. Parce que ces marchands qui viennent comme ça, ils vont vous dépouiller, bien évidemment. Il faut les loger dans les hôtels 3-4 étoiles. Il faut les conduire. Il faut les nourrir. C'est du commerce purement, pur et simplement. Vous voyez, c'est terrible, frères et sœurs, que vos yeux s'ouvrent. C'est comme une domination. Mes amis catholiques, protestants. Les églises de la manne cachée, la puissance de la croix, je ne sais pas quoi. Tout ça là, mes amis, c'est tout ça là, ça vient de l'enfer. Ce sont des démons qui sont là-dedans. L'évangile qui est battu, l'homme de Dieu. Il faut respecter les oints de Dieu, mes amis. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, tout ça, tout tourne autour de l'homme qu'il faut servir, l'homme. Tout ça là, ce sont les démons, ce sont les doctrines des démons, selon 1 Timothée 2, 1 Timothée 4, verset 1er, pardon. Vous voyez? Donc, dans toutes ces déliminations, mes amis, ces alliances, mes amis, il y a des enfants du Seigneur qui sont là, qui sont emprisonnés. Mais croyez-moi, Dieu les sortira de plus en plus de ce système des hommes au nom de Yeshua.
Donc, ces alliances-là, écuméniques, tout ça, là, beaucoup sont dedans. Et cinquième caractéristique, mes amis, c'est le péché, bien sûr. Le péché. On tolère. Regardez comment les femmes sont habillées, les hommes sont habillés. Hein. Regardez, mes amis, comment les gens vivent sans, ils vivent en concubinage, maritalement, sans être mariés, tout ça. Et c'est le péché comme pas possible. Le péché n'est pas dénoncé. Là où il n'y a pas de dénonciation du péché ouvertement, Dieu n'est pas là-dedans. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où on dénonce le mal, ouvertement. Donc si votre pasteur ne dénonce jamais le péché, la convoitise, le péché dans toutes ses formes, sous toutes ses formes, mes amis, s'il ne le fait pas, il est mordu par les démons. C'est clair. Et sixième et dernière caractéristique que nous allons développer ce soir, il y en a plusieurs, hein? Christ est absent. 1 Corinthiens 3 nous dit, Paul dit au verset 11, hein? Donc personne d'autre ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc dans ces, regardez bien leurs affiches de séminaire, on ne voit plus Jésus. Regardez bien, faites le tour de leur site, vous verrez que le nom de Jésus est parfois soit absent, soit peu écrit en petit caractère, et leur nom, le nom de ces hommes en grand caractère. Regardez bien. D'accord? Donc, Jésus est exclu, chassé du temple. Chassé comme dans Apocalypse 3 nous dit dans l'église de Laodicée. Le Seigneur se trouve à la porte et il frappe. On l'a mis dehors. Jésus est absent. On n'enseigne pas sur l'enlèvement de l'église. Il n'enseigne pas sur le retour de Jésus. Il n'enseigne pas sur la sanctification, sur la crainte de Dieu. Voyez, sur la foi, la dépendance que vous devez avoir vis-à-vis du Seigneur. Il n'enseigne pas sur la famille, l'homme et la femme et les enfants qui doivent d'abord dépendre du Seigneur. Ils se mettent entre vous et vos femmes. Voyez, frère. Et donc, Christ est absent. Parce que là où il y a Christ, comme Jean-Baptiste, tout le monde dira qu'il croisse, hein, et que nous diminuons. Vous voyez? Mais eux, ils sont tout le temps au centre, tout le temps au centre. Regardez leurs photos. Regardez leurs noms, partout. Où est Jésus dans tout ça? Jésus est absent. 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 Vous allez trouver du racisme, du tribalisme. Vous allez trouver, mes amis, de l'orgueil. Vous allez trouver de... Vous savez, il y en a qui confondent l'orgueil. Ils pensent que parce qu'ils confondent l'audace, hein, ils pensent que... Il y a une confusion actuellement. L'audace, hein, que les frères et sœurs ont par rapport à la foi à Yeshua est souvent comparée, traitée d'orgueil, mes amis. Non, l'orgueilleux, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne veut pas obéir au Seigneur. C'est ça l'orgueil. Hein, l'orgueil, c'est la rébellion. Hein, un rebelle est un orgueilleux. Le rebelle refuse de se plier à la parole de Dieu, de se soumettre à ce que, aux ordres du Seigneur. Voyez, frère, Christ est absent tout simplement. Voyez, là où il n'y a pas Christ, là où il n'y a pas de délivrance authentique, là où les démons ne sont pas chassés, là où il n'y a pas de conversion, là où il n'y a pas de délivrance, Dieu n'est pas là-dedans. Le Seigneur disait, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Voyez, frère, on peut vous donner plusieurs autres caractéristiques, mais ce soir, nous allons nous limiter là. Des mariages sont cassés. Il y a des fausses couches parfois. Les femmes font des fausses couches. Voyez. Vous allez voir également que dans cette église, le pasteur passe sa vie à voyager, à prendre les avions partout. C'est un touriste. Il voyage partout, il va prendre de l'argent gauche à droite, il revient, il récupère vos offrandes. Voyez. C'est du commerce. Alors, vous avez 5 minutes si vous voulez nous appeler pour témoigner. Les frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant la fin. Que Dieu, mes amis, nous garde. Voilà, nous devons dépeindre correctement les églises de Satan parce qu'ils travaillent. Hein, ils travaillent. Les conversions réelles, il n'y en a pas. Hein, et ils veulent remplir à tout prix leur bâtiment plutôt que de remplir le royaume de Dieu. Voyez ?
Il vous demande, s'il ne vous voit pas un dimanche, il vous appelle pour savoir où vous étiez, n'est-ce pas? Il passe de maison en maison, il vous appelle régulièrement pour savoir comment vous allez afin de mieux vous contrôler, d'accord? Voilà, donc il y a plusieurs, ils ont des tactiques, ils ont des méthodes comme ça qu'ils ont développées pour pouvoir vous contrôler, vous manipuler. Et il faut vraiment, mes amis, être averti, voilà, être enseigné suffisamment pour ne pas se faire avoir. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde, frère, l'heure est grave, l'heure est grave. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Ouais, je voulais parler directement, je suis sur TV des vies. Tout à fait. Ouais, donc, je peux dire un témoignage, mais c'est court. C'est depuis janvier que je vis TV des vies sur Facebook sur, chez une amie. Et depuis là, je suis le message du frère Chora et le message du Seigneur, ça a changé ma vie. Amen. J'étais religieuse, j'étais les églises, la Babylone, j'ai quitté tout. Amen. Bonsoir, frère Chora. Bonsoir. Dieu est bon. Ouais, c'est ça. Amen. Ok. Que Dieu vous garde en tout cas. Gardez vos délivrances. Alléluia. Okay, voilà, merci. Voilà. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, mes frères et sœurs, qui sont libérés. Hein, libérés du joug des hommes. Libérés de leur contrôle. Voyez. Libérés, totalement libérés. Libres pour mieux servir le Seigneur. Voilà. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Et. Voilà, en tout cas, je ne veux plus faire partie de l'église de Satan. Jamais, jamais, jamais. N'est-ce pas? Jamais. Voilà. Et il y a plein d'autres caractéristiques. Hein. Quand ils prient pour votre guérison et que vous êtes guéri, votre délivrance et que vous êtes délivré, ils vont vous demander de l'argent. Et si vous ne les bénissez pas, ils vont dire, non, mais c'est moi qui ai prié pour elle. C'est moi qui ai prié pour lui. Tout ça. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, ce serait juste pour partager vite fait un passage biblique, parce que ça m'a fait penser à ce passage biblique, comme quoi nous-mêmes qui sommes réveillés, nous devons aussi faire très attention. Donc c'est Ésaïe chapitre 39. Donc en ce temps-là, Mérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya des lettres avec un présent à Ézéchias, ayant appris qu'il avait été malade et qu'il était guéri. Et Ézéchias en eut de la joie et il leur montra son trésor, l'argent, l'or et les aromates, et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montra dans sa maison et dans tout son domaine. Puis le prophète Ésaïe vint vers le roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi ?» Et Ézéchias répondit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, de Babylone. » Et Ésaïe dit, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Et Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les jours viennent où tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé dans leurs trésors jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone et n'en demeurera rien de reste, dit l'Éternel. On prendra même de tes fils qui seront issus de toi et que tu auras engendrés pour être eunuque dans le palais du roi de Babylone. Et Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, du moins, il y aura paix et sûreté pendant mes jours. Donc, en voilà. Fait, quand on lit ce passage-là, on voit que Ézéchias, effectivement, il a été béni par l'Éternel, bien qu'il fût un temps malade. Et bizarrement, quand il a trouvé sa guérison et sa délivrance, par rapport à que l'Éternel lui a ajouté 15 années de sa vie, et bien bizarrement, il y a eu des gens de Babylone à ce moment-là qui ont voulu s'enquérir de sa santé. Et puis, quand ils sont venus, ils ont été pour eux un objet de malédiction. Donc c'est comme si quelque part, étant sorti de Babylone, il est retourné à Babylone, il a été repollué, et du coup il y a eu un jugement à la fin qui a été prononcé sur lui. Qu'est-ce que vous pensez de ce passage? Disons que j'ai eu longuement à méditer ce passage, et mais ce n'est pas Ézéchias qui a été repris ici. La prophétie concernant la captivité des Juifs avait déjà été annoncée bien avant Ézéchias. Donc, le Seigneur est en train, en fait, on sait que Ézéchias est un homme qui a beaucoup craint le Seigneur. Et voilà, donc les Juifs de l'époque, malheureusement,
avaient rejeté le Seigneur. Donc du coup, ben, le Seigneur a permis en fait à ces gens de voir effectivement toute la richesse qu'avaient acquise les Juifs. Et au lieu de s'attacher au Seigneur, comme la parole le dit, plus Dieu ouvre des portes, plus nous devons nous attacher à lui. Et eux, ils étaient détachés du Seigneur. Mais toutefois, et pendant le règne d'Ézéchias, cet homme s'était beaucoup attaché au Seigneur. Et il le dit lui-même qu'il ne verra pas ces choses durant sa vie. Donc c'est une prophétie qui avait été libérée pour des années à venir, c'est-à-dire près de 150 ans après. D'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire parce que Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 45, Ésaïe 44 vers la fin, Ésaïe 45, il a parlé de Cyrus. Cyrus, oui, effectivement, oui. Donc il a parlé de Cyrus 150 ans avant sa naissance. Oui. Et puis il dira, Ésaïe va parler également de la restauration, du rétablissement, de la reconstruction de Jérusalem, alors qu'elle n'était pas encore détruite. D'accord. Donc ce n'était pas parce que Ézéchias avait montré ses richesses à ces hommes. C'était en fait Dieu qui confirmait à Ézéchias que ses descendants, que Jérusalem serait détruite à cause de leurs péchés. Donc lui-même n'a pas collaboré avec les gens de Babylone. D'accord. Voilà. Et on a vu Salomon, les gens des nations, aller à Jérusalem pour voir ce qui s'est passé. Donc maintenant, lui n'a pas collaboré avec ces gens-là. Ils sont venus voir combien son Dieu était grand. D'accord. Combien Dieu était grand. D'accord. Voilà. D'accord. Et quand Dieu va restaurer, quand Dieu va dire qu'on va prendre de tes enfants pour en faire des eunuques à Babylone, et effectivement. Daniel, dans Daniel 1, on nous dit qu'il était, de race royale. Hein? Oui. Daniel, Meshach, Abednego et Shadrach. Donc, ils étaient des enfants de rois. Donc, 150 ans après, cette prophétie s'est accomplie. D'accord. Ben merci beaucoup. Et puis, une petite dernière question, frère Chora. C'est quand, justement, il y aura... Et c'est quand qu'on pourra avoir accès, si c'est possible, maintenant je ne sais pas, à la vidéo où Benito avait pris, avec la réunion de jeunesse avec Benito, et juste un peu avant, il y avait le témoignage des frères algériens, du couple algérien Kabyle. Est-ce que bientôt ça sera mis ou en fait... Oui, justement, merci de me l'avoir rappelé. Donc je vais demander à l'équipe technique de nous retrouver cette vidéo. Ce serait une bonne chose pour pouvoir la diffuser, effectivement. Ok. Donc on va s'organiser. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse tous. Hein. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, mes amis, quelqu'un a quelque chose à dire ici ou ça va, on clôture, je ne sais pas, Yann. Ok, frère. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir, ouais, c'est bon. Bonsoir à tous. Donc moi, en fait, je voulais revenir sur l'enseignement que tu as partagé pour vraiment démontrer que la parole était vraie. Je crois que c'était hier. J'étais sur Internet et voilà, je naviguais sur le net et j'étais parti voir justement la vie de certains enfants de la foi que tu as formés et qui ont malheureusement dévié. Et justement, on voyait que, j'ai pu voir qu'un d'entre eux a fait une interview où il disait que maintenant, en fait, il est devenu le pasteur principal d'une vision qu'il a lui-même fondée. Mm-hmm. Et après, je naviguais encore sur le net et j'ai vu l'album de sa femme qui chantait et qui était mis en vente. Donc en fait, et quand j'ai entendu l'enseignement ce soir, je me dis vraiment que la parole est vraiment vraie. C'est ça. Et que Dieu ne ment vraiment pas et que tout est dans la parole. C'est ça. Donc, l'égarement. Voilà. Ils sont frappés par l'esprit d'égarement et très rebelles au Seigneur. Et vous savez, la parole est claire. C'est lui qui t'a engendré dans le Seigneur. Si tu te lèves contre lui, tu ne peux pas aller loin. Dieu est un Dieu juste. Voyez ? Donc la parole est claire. Et ils vont renier même d'où ils sont sortis, même dans leur égarement, alors que nous avons des vidéos où ils sont en train de dire « Papa, merci de nous avoir formés. » C'est parce qu'on ne veut pas faire la guerre charnellement. Donc, on les laisse avec le Seigneur. En tout cas, les enfants de Dieu ont les yeux clairs, ils voient. Donc, et Dieu m'a dit aussi, c'est lui qui les a suscités, comme dans Psaume 23, pour faire éclater sa gloire. Parce que Dieu dit à Moïse d'aller libérer son peuple, et en même temps, il suscite à la fois Moïse et Pharaon. Donc, vous voyez, Pharaon qui, malgré les miracles que Moïse opérait, que Dieu opérait par Moïse, s'endurcissait. Et plus il s'endurcissait, plus Dieu faisait éclater sa gloire. Donc, en fait, Dieu les a carrément suscités, parce qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est parce que celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Il ne va pas vendre ses produits, ses albums, et se présenter comme un pasteur principal, et pour aller faire l'apologie des ministères américains qui sont des voleurs.
qui vend des pins comme Benny Hinn, qui vend des pins à 500 euros, hein, et qui va prier sur la tombe de cette femme, Catherine Kuhlmann. Et on ne peut pas faire la, comment dire, se comparer ou se réclamer de ces ministères-là. Il faut vraiment être complètement frappé par le Seigneur. Et c'est dommage. Parce que la fin de tout ce monde-là, s'il n'y a pas la repentance, c'est l'enfer. Et ça fait mal au cœur. Hein, parce qu'on aime les âmes. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Et on va prendre une dernière personne en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Chora. Et bonsoir à tout le monde sur le plateau. Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, voilà. Donc, j'avais une question à poser. Je voulais savoir, en fait, ce que tu penses, en fait, de la place de la femme dans le ministère. Donc, si la femme avait le droit d'enseigner, par exemple. Ça, je voulais avoir, en fait, ton avis là-dessus. Et puis, une deuxième question. Généralement, en fait, tous ces pasteurs, en fait, disent que lorsqu'une femme est appelée, forcément, l'époux aussi doit être appelé au ministère, parce que la parole dit qu'une femme doit être enseignée par son époux. Donc je voulais avoir en fait ton point de vue par rapport à la parole là-dessus. C'est sûr que Dieu qui respecte l'ordre, parce qu'il est dit clairement que Dieu est un Dieu d'ordre, en fait il n'est pas le Dieu de confusion, littéralement. Il ne peut pas établir l'homme comme étant le chef de sa femme et ne pas passer par lui pour et passer par sa femme pour l'appeler au ministère. Mmh. Et c'est le désordre. Donc, on voit des femmes dans la Bible qui ont servi le Seigneur, notamment dans le Nouveau Testament, comme Aquilas et Priscille. Les deux étaient ensemble comme Andronicus et Junias. Junias dans Romains 16, les deux aussi étaient ensemble. Donc, je crois qu'une femme peut, si elle est inspirée par le Seigneur, apporter un enseignement inspiré, mais de là à l'établir pasteur, prophète, comme pasteur, apôtresse, pour diriger les églises, non, on n'a pas vu de femme diriger les églises. Donc, ça, c'est le risque à ne pas prendre. Et... toutefois, une femme peut avoir un ministère, hein, donc pour aller prier pour les gens ici et là, enseigner la parole ici et là, notamment les femmes. Paul dit que les femmes enseignent aux jeunes femmes, leur apprennent comment aimer leur mari. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment qu'elles soient inspirées. Et quand c'est comme ça, il vaut mieux qu'elles soient accompagnées de son époux et pour ne pas justement qu'elles soient trop exposées, parce que sinon, c'est des dégâts. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup et puis que le Seigneur vous bénisse et vous encourage encore, vous fortifie. Merci. Et merci à TV de Vie. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde. L'émission s'arrête là. Merci. Je voulais dire quelque chose. Voilà. On s'arrête là. En tout cas, que Dieu vous garde. Merci pour vos prières, vos soutiens. Et croyez-nous, croyez-moi, frère, nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons répondre simplement à l'appel du Seigneur et nous ne voulons pas repartir dans Babylone. Nous sommes en train tous de sortir de Babylone. Personne ne peut lever la main et dire que moi je suis arrivé. Personne, même Paul disait qu'il n'avait pas atteint la perfection. Donc Dieu sait que nous sommes faibles. Et nous dénonçons non parce que nous sommes méchants, parce que nous voulons casser les gens, mais parce que nous voulons voir des frères et sœurs aller au ciel et notre Dieu glorifié. C'est ça qui nous anime. Donc il n'y a pas d'autre motivation. Et des pasteurs qui veulent, mes amis, partager avec nous, on le reçoit, croyez-moi. Donc on le reçoit, vous avez vu, on a fait des émissions ici avec des pasteurs qui sont repentis. Et nous, nous nous mettons au-dessus de personne et d'aucun pasteur. Et voilà, donc Dieu nous demande de faire des choses et nous voulons les faire fidèlement. C'est ça notre mission, voilà. Et on n'est pas les seuls à partager ces enseignements. Il y a des frères et sœurs dans le monde entier qui le font, peut-être beaucoup mieux que nous. Mais nous voulons simplement être fidèles à l'appel du Seigneur. Voilà, merci encore à vous pour vos prières, pour vos soutiens. Et la Bible sort d'ici la fin de l'année, comme vous le savez. Continuez à prier pour nous, hein, soutenez-nous par vos prières et continuez aussi à soutenir selon que Dieu vous mettra à cœur dans la liberté financièrement pour qu'on puisse sortir cette Bible. Donc David, pour le soutien, les gens qui veulent soutenir, parce que j'ai eu des coups de fil, notamment aujourd'hui, notamment un frère aux États-Unis qui disait comment faire pour soutenir, parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Donc comment faire par rapport à cette Bible notamment. On a mis toutes les informations sur le site TV de Vie. D'accord. Il y a un onglet soutien. D'accord. Et après, les personnes peuvent choisir le soutien qu'ils veulent apporter au niveau du projet de la Bible. Justement. D'accord. Donc, continuez à soutenir en tout cas TV, Radio de Vie, le journal de Docimos
et à toute cette vision que le Seigneur nous a donnée. Encore merci pour vos appels, nous sommes encouragés. Parce qu'il y en a qui appellent régulièrement, nous reconnaissons quand même des voix, même si on ne se voit pas, mais nous reconnaissons quand même des voix des frères et sœurs. Et voilà, donc vous êtes dans la liberté, hein, donc continuez à appeler, à participer. Et bonsoir à tout le monde, bonjour à tous les frères et sœurs qui sont du côté du Canada, Guadeloupe, Martinique, tout ça, l'île de la Réunion, Madagascar, l'île Maurice, l'île de la Réunion et les États-Unis et voilà, la Guyane, soyez tous, le Brésil, tous fortifiés, encouragés. Et nous vous donnons rendez-vous pour ceux qui sont en Belgique demain, vendredi, et à partir de 18h30, 19h, sur mes amis, la rue de l'Épée à Bruxelles, et pour notre réunion habituelle de réveil, et que nous allons arrêter d'ici quelques semaines. Et ensuite, ce dimanche, nous sommes à Rotterdam. Donc, merci Yann pour le slide que tu feras pour bien indiquer le chemin, l'adresse aux frères et sœurs qui veulent venir. Voilà. Merci encore, frères et sœurs. À tantôt, comme disent les Belges. Que Dieu vous garde. Au revoir.